Bonjour, bonjour, bienvenue de nouveau sur Prime et Vue 5. Le jour ne s'est pas encore levé sur la planète que déjà nous retombons dans une embuscade. Alors oui, on va se dire qu'on est quand même un petit peu couillon parce que on n'a pas appris de nos erreurs, ça n'est pas possible. Bienvenue dans cette nouvelle tentative et nouvelle version du scénario d'exploration, l'évasion, que j'ai lamentablement échoué la dernière fois. Pour mémoire, je vous rappelle que j'apporte des modifications de règles pour cette partie et très certainement les parties à venir, en commençant par le fait d'avoir supprimé les dés rouges. Ensuite, les événements. Je reviens pas sur le pourquoi du comment, hein. Je fais ces opérations de modification. Regardez juste la vidéo précédente de ma phase de colonie, qui était le 10e épisode, pour comprendre le pourquoi de tout cela. Donc, pas de dés rouges. Les événements, j'en ai retiré deux, et je le fais en mode legacy, c'est-à-dire qu'un événement pioché et activé à un scénario ne réapparaîtra plus du tout. Ensuite, plus de périlium. Oui, j'ai viré les périliums de chacun, puisque finalement, l'activation de nos ennemis se fait toujours de façon la plus logique possible, en les avantageant. Donc, ils sont là pour nous massacrer. Attention, ça dépend des scénarios quand même. Dans celui-ci, l'évasion, il focus les héros systématiquement, donc pas de souci. Et dernière modif, la réaction des ennemis va se faire après l'action en cours du héros. Mais bon, on va voir ça au fur et à mesure du déroulé de cette partie. À quoi est-ce que je réfléchissais pendant que je vous parlais? Ah oui, ben, on n'oublie pas de piocher un événement. Allez, toi. Il y a une pluie battante, ce qui ne va pas du tout nous arranger. Tous les héros, après avoir déclaré une action de déplacement, doivent payer un point d'action supplémentaire pour l'exécuter. Où est-ce que j'avais mis ça la dernière fois? Est-ce que ça nous suivait? Je ne sais plus trop. Bon, ça va être une carte qui va faire yo-yo peut-être. Ou le plus simplement... Ah, j'avais mis la carte quelque part par là, je crois. Il me semble, pour m'en rappeler... On a souvent un œil sur le momentum, finalement. Pluie battante, il pleut sur cette zone-là. Alors, pourquoi je refais? Bah, parce que j'ai échoué, donc, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez peut-être vu, et il me faut des ressources. Et il me faut conquérir un maximum de zones, de toute façon, au cours de la campagne, pour pouvoir gagner. Donc, on est là pour gagner. Ça finira par se produire, mais alors dans quelles conditions? Au niveau de nos éléments scéniques 3D, il y a un champignon qui a poussé ici. Alors lui, pas de particularité, si ce n'est qu'il fait une obstruction, qu'il est impassable. Bon, c'est déjà ça. Nous avons l'antenne, encore et toujours. Alors j'ai repioché au pif. Hein. L'antenne, elle a un effet sympa, elle, si elle est activée. Ça permet de donner au héros un jeton relance. Toujours une obstruction légère. Et puis, nouvel élément qu'on n'a pas encore eu, c'est la flaque d'acide. Alors, ma flaque d'acide, elle est ici. Petit aparté d'ailleurs, dans les jetons d'éléments scéniques 3D que l'on pose sur le terrain. Je le chope, c'est ça normalement, ça prend une case. Ils nous disent que la flaque d'acide prend deux cases, occupe deux cases. Et dans la boîte, je n'ai qu'un seul jeton flaque d'acide, ce qui est space, mais c'est comme ça. Alors j'ai vu qu'ils l'avaient fait recto verso. Ça n'a pas d'intérêt, ils auraient mieux fait de faire une autre flaque d'acide sur l'autre face d'un autre jeton, comme ils l'ont fait pour la plupart. Mais là, je n'avais qu'un seul jeton acide. Alors, j'aurais très bien pu le placer comme ça à mi-parcours de deux cases. Mais j'ai préféré sortir... Bah, voilà, ça. C'est magnifique, ça. Et ça nous fait nos deux cases de prise pour l'acide. Voilà pour les éléments de terrain. Il ne nous reste plus qu'à démarrer. Alors, juste, si vous ne connaissez pas le scénario, l'évasion, nous devons... En partant de là,
arriver à l'opposé ici. Alors, pas tout le monde, hein. Au moins deux d'entre nous doivent y accéder pour considérer que bah, peut-être que là, on va capter, on va sortir notre téléphone, on va capter pour appeler nos sauveurs à la rescousse pour une évacuation. On doit traverser tout le terrain, tout le stade là, d'un seul coup, avec en ennemi, j'ai rechoisi. Là, cette fois-ci, c'est un choix de ma part. Je n'ai pas refait de pioche au hasard. Nous avons les kits suicidaires qui sont coureurs. Attention, ils se déplacent de deux cases pour un point d'action. Horde, on s'en fiche dans ce scénario-là. Escalade, on s'en fiche dans ce scénario-là. Avec bien sûr toujours leur spécificité. Et puis les faucheurs qui m'ont bien plu, en tout cas un petit peu plus que les moissonneurs. Donc les faucheurs vont nous étourdir s'ils nous blessent, c'est-à-dire à chaque fois. Et ils ont un camouflage, ça c'est important. On doit être à minimum 3 cases pour pouvoir les voir, donc leur tirer dessus. Et en parlant de tirer dessus, ils ont la capacité tireur, donc ils acquièrent un certain avantage tactique lorsqu'ils nous prennent pour cible, en ayant des gains de mouvement, de cases, pour se mettre hors de portée. Bon, bah, à part ça, eh bah, ça va, s'il se passe quelque chose, on vous le dira. On commence par, cette fois-ci, ACAB. Pourquoi je dis cette fois-ci? Parce que la dernière fois, allez, vu que nos quatre héros étaient là, entassés sur la phase 4 du momentum, je me suis fait plaisir, j'ai dit, bon, on va commencer par un autre. Non, on commence par ACAB, qui a le plus en rapidité. Sauf que, les faucheurs ont 6 aussi, ça va être chaud. Bon, on s'en fout, les faucheurs, pour l'instant, n'ont pas à agir. C'est vraiment ACAB. Alors, attention. Là, j'ai fait un placement à peu près pensé, enfin c'est pas à peu près, c'est pensé pour que ACAB et Jukas s'occupent, s'ils le peuvent, au maximum de ce faucheur-là. ACAB a 6 points d'action, on va éviter la zone de flaque d'acide parce que sinon c'est effet blessure à un moment ou à un autre, quand on commence notre phase dedans. Qu'est-ce que je voulais faire avec lui? Je déclare mon action déjà. Ben, ça va être un mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, parce que avec son arme, il est trop loin pour pouvoir tirer pour l'instant. Donc, il faut qu'il fasse. Allez. 1, 2, 3. Il va venir ici pour gagner un chouille de terrain. Attention, la pluie battante fait qu'il dépense un de plus. Donc, correction, votre honneur. Mon plan initialement pensé déjà. Tombe à l'eau à cause de la pluie, c'est tout à fait logique. Et il est obligé de s'arrêter là parce que là, il vient déjà de péter 3 points d'action. Ce qui fait que, ça y est, ça commence. 1, 2, 3, il dépasse bah, tous les jetons. Ce qui ne provoque pas de réaction des kids. Ils sont trop loin, ils n'ont pas de visibilité sur ACAB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah tiens, mon con, mais bien sûr que si. C'est fou, ça. Ah la vache, mais il voit super loin. Donc, son petit déplacement, finalement, il va peut-être le faire ici. Comme ça, il ne déclenche pas la réaction de ce kid-là. C'est toujours ça de gagner. Là, je grappille vraiment. Mais, c'est tellement chaud. Par contre, maintenant, nous avons la réaction des faucheurs. Alors, pas ceux qui se trouvent être à l'arrière, puisque les champignons leur bloquent la ligne de vue, mais la réaction de ceux-là. Tiens-toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, pas lui. Super. Eh bien, en limite, il n'y a que celui-ci qui va nous tirer dessus. En faisant quoi? Ben, tire en pleine tête. ACAB, déjà récupère tous tes dés. Tu en as 5 pour te protéger. Alors, la compétence tireur, là, je vais pas l'utiliser tout de suite parce que c'est une réaction. Il tire, hein. Il voit un mouvement, une menace, il y va. Allons-y. Pour se protéger de ce tir, on doit faire de l'esprit.
Je n'en ai qu'un là. Donc, Akab se prend déjà ses deux premières blessures. 2 sur 5. On est sûr, hein? Un esprit là, oui. Plouplouplouch. Ok. Qu'est-ce que d'autre? What else? Il tire à 6, c'est bon. Les points d'action, c'est une réaction, je n'en tiens pas compte. Et malheureusement, ça implique que pour son début de prochain tour, Akab est... c'est quoi? C'est étourdi. Son armure le protège de quoi? Du saignement. Dommage. Ça, c'est bien dommage. Et tu peux maintenant tirer, mon petit Akab. Vas-y. Portée de 4. Oui, il est à distance de 3, donc tu le vois. C'est bon, pas de restriction. Tu y vas, il va te falloir des balles. Tu tires seulement avec 4 dés. Il va te falloir des bullettes que tu n'as pas. Ça, incroyable, ça aurait été. Mais c'est pas le cas. Son attaque de taillade, il aurait fait un très très joli jet. Bon, quand ça commence comme ça, je peux vous dire que il y en a qui grincent des dents. Sa gunblade s'est fait. Il a tiré donc, allez, sur le momentum. 1, 2, 3. Il crapahute. Il a donc consommé tous ses points. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ensuite, tous les autres colons sont à égalité, donc on va choisir un petit coup de jucasse. Un petit coup de jucasse qui gentiment donne à Akab et à Alexandra un jeton relance à consommer sans modération. Et puis, il n'a pas de jeton Oblivion sur lui, notre psionique, donc il va pouvoir agir normalement. Arme empoisonnée, mais uniquement si ça se transforme en attaque psionique. Donc, on y va en faisant un point de mouvement égal 2 points sur le momentum. Aïe. 1, 2, il dépasse les kids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a dit que eux voyaient à 7. Bon, vas-y, bouge. Bouge de là. Alors, il est coureur. Pour un point, il se déplace de 2. Pour un point, il se déplace de 2. Pour un point, il se déplace de 2. Ce qui fait qu'il nous arrive pile poil devant les miches. Tiens, faut pas que j'oublie mon jeton relance aussi sur son casque du vide. Et puis maintenant qu'il a cramé ses 2 points, il ne lui en reste que 3. 3, c'est pile poil pour faire une attaque. Alors initialement, il aurait souhaité attaquer le... Comment s'appelle-t-il? Le faucheur, mais il ne peut pas. Là maintenant, il est à distance pour le kid, c'est pas un problème. Mais s'il déclare son attaque, il dépasse 1, 2, 3, le faucheur E9. Quant à lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, il ne le voit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bien, il ne le voit toujours pas. Eh bien, allons-y avec l'attaque. Tu utilises quoi? Ton fléau d'énergie. Tu as le droit de jeter. T2 plus 3. Et tu dois obtenir des points. Allez, fais-nous ça bien. Sauf que, attention, qu'est-ce que t'as pas compris dans tu dois obtenir des points? Bon, c'est pas grave. C'est peut-être pas trop grave, je vois de l'esprit là. Les Kidounets. Point explosif, ça c'est votre attaque, on s'en fout. Vous êtes immunisé à l'esquive. Ouais, bon, ça d'accord, c'est juste pour Andromeda. Et votre sang-froid, on s'en fout, vous n'êtes pas dans une des phases rouges, donc. Un seul point de vie. Ok. Il se protège à l'esprit. Alors pourquoi je parlais de l'esprit pour eux? Ah bah oui, parce que Jucasse vient d'obtenir
des symboles plus que nécessaires d'esprit, justement, l'attaque se transforme en psionique. Donc les ennemis se défendent avec leur esprit. Il a 1, il se prend 2 dégâts. Un seul point de vie éliminé. Mais comme ça devient une attaque psionique, c'est mon premier jeton Oblivion. Et comme c'est une attaque psionique, j'aurais pu appliquer un empoisonnement, sauf que... Bah, sauf que il n'y a qu'un point de vie à dégager. Voilà. Et de 1, bon, ça commence comme la dernière fois. C'est-à-dire bien pour ce coup-là. Après, pas de butin, c'est un ennemi de taille petite. Donc on s'en moque. Il a été déplacé, joué, c'est bon. Nous reste Alexandra ainsi qu'Andromeda, qui a été blessée à Cab. Si elle fait 1, 2, ça lui coûte 3. 1, 2, 3. Pas de réaction. Lui n'a pas réagi, hein, puisque il avait déjà sa réaction. On est bon. Et puis, alors, je l'active tout net. Elle va utiliser ses premiers soins sur Akab. Elle jette 5 dés. Ça lui coûte 2 points d'action. Donc sur Momentum, elle rejoint Jukas. Et vas-y. Vas-y, vas-y. Tu nous fais un maximum de symboles sang. Ok, vous y croyez, vous, à ça? Sur 5 dés? Sur 5D, sachant qu'il y a deux faces où il y a potentiellement la possibilité d'avoir un symbole sang. Hélas, elle fait de la merde. C'est pas la première fois, Alexandra. C'est pas parce qu'il est à peine 8 heures ce matin qu'il faut que tu fasses ta petite tête de nœud, là. Bon, j'ai rien d'autre à faire. On plie Alexandra. Ah, elle pourrait rejeter. Est-ce qu'elle rejette? Ouais. Ouais, allez. Consommation d'un jeton relance. Et puis, on va voir. Tiens, ça fait rien. D'accord. Je n'insiste pas. Mais quand même, je trouve ça particulièrement dégueulasse de ta part. Alors. Est-ce qu'on crapahute? 1, 2, 3, 4. 1, 2... Ah ouais, mais là, tout est bouché, là. C'est Balibalo. Est-ce qu'elle pourrait attaquer? Elle tire à combien, Miss Tinguette, là? D'ailleurs, je l'active. Elle se concentre parce qu'elle n'a pas encore de jeton concentration. Ça, c'est good. Son arme tire à 2 de distance. Si elle vient là, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle vient là. Ça lui coûte 3. 1, 2, 3, pas de réaction. Ah merde, mais non. Si elle vient là, ça lui coûte déjà 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf, elle peut quand même tirer. 1, 2, 3, elle rejoint ses deux autres petits camarades sur le momentum. Et elle fait feu. Alors, est-ce que ces couillons-là... Ah non, elle peut pas. Elle peut pas parce que elle n'est pas à 3 de distance. Bon, bah dans ce cas-là, autant qu'elle claque tout son potentiel de mouvement. Hein. Elle était là, ça lui coûte 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle est prise pour cible. Bah, faut y aller. Hein. En même temps, quitte à être prise pour cible au moins une fois, 3, 4, autant qu'elle vienne ici. Devrait lui foutre la paix. Ouais, on fait ça. Ça lui fournit un dé en physique, son armure. Plaque de titane. Bon, protection pour elle. Son armure, plaque de titane, lui fournit un dé en physique. Elle a 3. Ça ne fait que 4 pour se protéger. Et on se protège avec l'esprit. Bon, c'est pas mal, elle se prend un dégât. 1 sur 6, c'est la plus costaud parmi nous. Elle est immunisée au poison, mais eux ne font pas de poison, eux font de l'étourdissement. Allez, Alexandra, pardon, Andromeda est étourdie.
C'était quoi ça? C'était la réaction du monsieur. Et c'est aussi la fin du tour d'Alexandra. À moins que chaque fois qu'elle reçoit une attaque physique ou à distance, lancer un dé si on obtient le symbole bouclier. Ah ouais, elle ne prend rien. Attaque complètement esquivée. Bravo. Très rare de l'obtenir, lui. En tout cas, avec ma main. Ma mimine à moi. Bon, c'est good. Good pour elle. On change de phase. Les kids. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est aussi simple que ça. Momentum. 1, 2, 3. 4, ils nous rejoignent en phase 9. 1, 2, 3, 4. Il crapahute. Il n'y en avait pas un autre là, planqué? Ah ben non, il est mort. Désolé d'être désagréable. Eux ont joué. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant les faucheurs. Alors aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, attention. Déjà 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils arrivent en phase 12. Bon, ça c'est pas grave. Ah bah tiens, regardez ce qu'on va faire. La carte, elle nous fait un petit aller-retour parce qu'ils ont déjà tout bouffé avec leur réaction. Sauf nos amis derrière, là. Venez, les gars. Venez avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi je les fais passer par là, eux? C'est peut-être un peu con. Je suis en train de m'auto-bézouiller. Ils partent chacun d'un côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'idée, leur plan, c'est de nous encercler. Donc on va être débordé par là. Et aussi par le sud. Très bien. On passe les phases 6, 7, 8 pour arriver en phase 9. J'ai pas ACAB. J'ai les colons qui ont tous 5 et les kids seulement 4. Donc choix parmi les colons. Le problème étant, bah pff, non, on va pas y avoir de problème. Alexandra, tu claques 1, 2 pour faire des soins sur Akab. On y retourne. Je veux du sang. Je veux que ça saigne. 1, 2, 3 symboles, c'est bon. Ça veut dire que elle l'a complètement soignée. Le fait de faire son action de soin provoque éventuellement une réaction sur les kids qui voient à 7. Andromeda lui bloque la ligne de vue, Jukas lui bloque la ligne de vue, ils ne réagissent pas. Et il reste 3 points à Alexandra pour faire quoi? Si elle se déplace, elle va devenir une cible, c'est pas cool. Bah tire! Tire ma grande! Ah, c'est pas mal ça. En plus, je t'avais fait up ton double pistolet. Elle tire à 5. 1, 2, 3. Elle ne peut pas focus le faucheur qui est trop loin. Donc, sur le kit suicidaire, en obtenant des balles. Alors, tu as de base 3 plus 1. Plus 2. Cool! Il te faut des balles et tu relances sur l'esprit. Il te faut des balles et tu relances sur l'esprit. Ok. Pop, pop. Ah! Attention. Eux se protègent avec l'esprit, pas avec le physique. Ils n'ont qu'un point de vie, donc c'est suffisant pour faire boum. Joli. Jolie mademoiselle, et de deux, pas de butin lâché malheureusement, mais ça n'est pas grave. Et Alexandra, tu es là. 1, 2, 3. Tu dépasses les faucheurs qui éventuellement réagissent contre toi. Sauf que, oh très bien, t'as tes potes Jukas et Akab qui te protègent, là, qui font un mur de visibilité. Et lui est trop loin, les autres sont trop loin de toute façon. Ou. Ligne de vue obstruée par Jukas. Bien. Ton momentum, j'y ai pensé. Les réactions éventuelles aussi. Ça veut dire
tu ranges tes double guns là. Et tu as bien agi, sympatoche comme tout. Jucas ou Andromeda? Andromeda, elle est mal, hein. Et je peux pas la soigner. Donc j'ai fait une connerie de l'amener par ici. Bah oui, forcément. Il faut bien qu'on en fasse des conneries, sinon c'est pas drôle de jouer. Mais ça va peut-être me le faire payer cher. Dans l'idéal, ce serait... Alors, si elle ne fait rien, bon, bah, je vais faire jouer Jucas pour l'instant, et puis on verra. Alors attention, parce que lui, il doit jeter ses dés pour son jeton Oblivion qu'il possède, et il doit obtenir au moins une flèche, donc c'est bon. Il joue tout à fait normalement. Il va se déplacer de 1, ce qui lui coûte 2 à cause de la pluie. Il dépasse 1, 2, il dépasse le kid là, qui ne le voit pas, parce que Andromeda est devant. Maintenant, il fait une attaque à 3. 1, 2, 3. Cette fois-ci, il dépasse les faucheurs. Il fait son attaque et il y aura la réaction après. C'est ce que j'ai dit dans mes modifications de jeu. Il a quoi? Bon, déjà, sa phase de jeton, il ne récupère pas de relance sur son casque du vide, il en a déjà un. Il donne pas de jeton à Cab, il en a déjà un. Par contre, un jeton à Alexandra, ça c'est bon. Merci monsieur. Et j'espère que le poison va pouvoir être appliqué. Il attaque avec 2 dés de plus. Et en physique, il attaque à 3. Il en 5 dés quand même. C'est pas dégueu. Sa distance est bonne puisqu'il a la caractéristique atteindre à 2 cases. Et est-ce que ça va se transformer en attaque psionique? Pour l'instant, non. Il touche avec quoi? Oh! Il touche avec les points. Alors attention. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Camouflage, on s'en fout. Ok. Par contre, il se protège à l'esprit. Là, ça n'est pas une attaque psionique. C'est une vraie attaque pure de dur avec 3 points. J'ai qu'un symbole esprit. Ça ne se transforme pas en psionique. Et j'ai pas une histoire de je sais pas moi. Rien. Non, j'ai rien d'autre. Si ce n'est que je vais consommer une relance. En espérant refaire un point. Ouais. Donc là, c'est max dégâts. Il est à 4. Bah, c'est cool. Plus ce que j'espérais, plus un empoisonnement. Alors l'empoisonnement fait que tous nos autres héros qui vont l'attaquer vont avoir le droit de relancer un dé. Ça aurait pu être une blessure automatique. Enfin je dis ça, mais ça aurait été appliqué comme ça sur notre pomme, j'aurais râlé quelque chose de bien. Donc bon bah ok, empoisonnement. Cool, j'y ai pensé. Est-ce que j'ai pensé à faire bouger son jeton? Oui. Puisque maintenant j'en viens à faire la réaction de tous ces bâtards. En commençant par celui-ci. Il attaque donc. Bon, sa distance est bonne. Est-ce que lui va réagir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr que lui aussi va réagir. Tiens, avant que je n'oubliasse. Plouch, plouch. Bah dis donc, t'es bien entouré, toi, les jetons, ça va, c'est cool. Tu fais quoi? Étourdissement si je touche. Ouais. Et puis on se protège sur le symbole esprit. Il a 4. Non. Si c'est ça, si il a 4 en défense. Allez, montre-nous de quoi tu es capable. J'ai dit quoi? On se protège avec le symbole esprit. Il se prend 2 dégâts, lui. Lui, Jucas, s'il vous plaît. 2 sur 5. Et
Pourquoi? Ouais, alors en plus il est étourdi. Tchou-tchou-tchou. Bon, c'est bon. C'est bon pour ça. Je fais la protection avec le tir de l'autre faucheur. Je me protège avec le symbole esprit. Il se reprend deux dégâts. Oh purée. Oh my god, god. Il est à 4 sur 5. Alexandra, s'il vous plaît. Alexandra est demandée en soins intensifs d'urgence. Allez, en plus un étourdissement costaud. Hein. Costaud balèze. Bien. Jukas a tout consommé. Il s'est pas repris de jeton Oblivion. C'est plutôt cool. Maintenant, Andromeda. Alors, Andromeda, déjà, l'étourdissement, on a dit que ça lui pétait, mais alors juste comme ça. D'un seul coup, d'un seul étourdissement, déplacer son jeton d'activation de deux secteurs. Alors elle est étourdie. Tiens, attention, je suis en train de penser à un truc là. La règle de l'étourdissement, c'est quoi? Un héros étourdi déplace son jeton d'activation en avant de deux secteurs sur le momentum, mais ça ne veut pas dire que ça me pète deux points d'action. Deux points de réaction finalement. C'est quoi la problématique de ça? Le jeton avance de 2 sur le momentum. Ah, c'est que dans l'idée, elle ne fait pas attention à son environnement immédiat. Et ça fait que elle dépasserait à un moment ou un autre un jeton ennemi. Donc il y aurait une réaction. Sans trop le vouloir, quoi, en n'étant pas attentive à ce qui se passe autour d'elle. Donc c'est tout. Bon là, elle est plus étourdie. Mais elle garderait tous ses points d'action. Je le comprends comme ça en le relisant. Bon, c'est peut-être une nouvelle erreur, hein, mais bon, je ne suis pas à ça près. Vous l'avez compris si vous me suivez depuis quelque temps. Bien que j'essaie de comprendre quand même si je fais pas une connerie. Son jeton s'est déplacé de 2, mais ça ne veut pas dire que. Ouais, parce que si c'était comme la pluie battante, il précise bien, doivent payer un point d'action pour l'exécuter. Alors que là, il parle pas des points d'action sur l'étourdissement. Ah ben, ça me plaît bien, tiens. Comme ça me plaît bien. J'active Miss Andromeda. Alors, elle a 5 points. Est-ce qu'elle ne reculerait pas quand même? 1, 2, 3, 4. Ça lui coûte ses 5 points. Ouais, je crois qu'elle va faire ça. Andromeda. 1, 2, 3, 4, 5. T'arrives en phase 4. Tu dépasses les faucheurs, mais maintenant, est-ce qu'il te voit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Lui, non. Eux ont réagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il voit 7 lui, donc lui réagit. 1 point, 2 points, 3 points. Il vient au corps à corps et il a joué. Ouais. Suis en train de penser que la flaque d'acide, là, à moins d'avoir un effet de caractéristique qui donne une poussée, personne va y foutre les pieds, hein. Ou alors c'est qu'on serait vraiment, vraiment désespéré. Bon, ben j'ai pensé à la pluie, je n'ai pas pensé à la concentration d'Andromeda. Elle se récupère son jeton relance. Elle n'aura pas fait d'attaque. C'est un peu un tour merdeux pour que dalle, ça. Ah ouais, si, je vais peut-être pouvoir tenter de la. Ah ben non, elle n'est pas blessée, elle. Pop, pop, pop. C'était au cas où. Je prenais peur pour elle. Maintenant, aïe! Le kids. Eh ben mon petit, on s'en fiche. 1, 2, 3, 4. Pourquoi on s'en fiche? Parce que tu as eu le malheur de réagir contre Andromeda. Cool. On passe. Qu'est-ce que j'ai cougnillé moi? Pourquoi j'ai emmené mon truc en phase 11? Non, on est là en phase 10. Jukas. Alors Jukas, 1, 2. À cause de l'étourdissement,
Même pas peur. Finalement, même pas peur, l'étourdissement. Et est-ce que tu es bien placé pour faire quelque chose de top? Bah, tu vas nous nettoyer le passage. En plus, il a 6. 1, 2, 3, il est à bonne distance. Il a un jeton relance. 1, 2, 3, bonne distance pour le kid aussi. Priorité sur le faucheur blessé. ACAB, c'est un tir de lame que tu es obligé de faire avec un symbole de balle. Précision, tu as 3, tu jettes que 4 dés. Telle est ta faiblesse et tu dois nous obtenir des balles, on a dit. Contre un ennemi qui est empoisonné, tu rejettes un dé. Ça fait rien. Ça fait 2 balles. Il se protège à l'esprit. Il a déjà 4 points de dégâts. Donc, lui est éliminé et il va nous lâcher un butin. Ben, un butin. Tiens, un jeton tout de suite avant que j'oublie. Ça, c'est bon pour Alexandra. Ça ne lui fait pas consommer de points d'action. Et donc, pas de péridium puisque je ne joue pas avec le péridium. Bon, c'est cool. Il reste 4 ennemis sur le terrain, mais pas des moindres, hein. Les faucheurs sont quand même assez costauds. Il lui reste... Alors, je l'ai bougé ou pas? Non, je ne l'avais pas bougé. Donc, 1, 2, 3, c'est sa première attaque. Ça ferait réagir le kid, mais le kid n'a pas de ligne de vue sur ACAB. Donc, no reaction. Et maintenant, ACAB va nous refaire 1, 2, 3. De nouveau, une attaque cette fois-ci sur le kid, puisque sa ligne de vue n'est absolument pas gênée. Le kid n'est pas en zone rouge, donc. Ah si, ils sont en zone rouge. Ignore la tendance suicidaire. Donc, on s'en fout. Enfin, il s'en fout de la tendance suicidaire, mais là il se protège, donc en fait, non, il n'y a rien de particulier. Bah écoute, si tu peux nous faire la même, n'oublie pas que tu as une relance, que tu dois obtenir des balles. Une balle ici, mais ce serait probablement suffisant parce que il se protège non pas en physique, mais en esprit. Ils n'ont qu'un point de vie. Mais regardez-moi ça. Agadez-moi ça comme les kids suicidaires ont été nettoyés. Excellente. J'ai avancé sur le momentum, oui, la pluie battante, on n'en tient pas compte parce qu'il n'a pas bougé un poil de cul. Bah, c'est pas mal là d'être complètement englué sur place et tous réunis, telle la familia. Bon. Je fais quoi? Je passe à la continuité de la suite avec phase 11, 12, cycle 7, sachant que ça se termine en 9, 9-1. C'est ici. C'est ça? Ouais, on vérifiera, mais normalement c'est ça. Et phase 12 égale réaction, non pas réaction, égale activation de nos faucheurs. Alors là, sauve-toi, je vais m'occuper de cela. Je vais utiliser leur capacité de tireur normalement, qui fait que lorsqu'ils attaquent, s'il est adjacent à un héros, on s'en fout. Objectif est d'attaquer un héros. Première action, elle se déplace sur une distance maximale tout en s'assurant de rester dans la portée de l'attaque et de façon à conserver tout. Ces points d'action. Alors ça, c'est une règle qui n'était pas nécessaire, dans le sens où ils ont déjà précisé en une sorte de règle d'or que les ennemis agissent au mieux pour les avantager. Donc qu'ils soient tireurs ou pas, bah, de toute façon, à distance, le mieux pour les avantager, c'est de rester un maximum hors de portée des autres. Là, lui, il vise Alexandra. Il a combien? Il a 6 points pour agir et son attaque va lui coûter 3. Il se déplace de 2. Ah ouais, alors, je crois que je l'ai déjà évoqué ça. La pluie battante ne nous gêne que nous.
Bah oui, c'est un petit plus malus pour nous. Je l'applique pas aux autres. C'est normal, ils connaissent leur terrain, je l'avais déjà dit ça. Bon, pardon. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, il peut la shooter, tout en restant camouflé en fait. Parce que il se trouve à être assez loin. Donc, bah tire mon garçon. Alexandra, ton armure te fournit plus 1. Elle jette 4 dés immunisés au poison, ça n'est pas du poison. Et le problème avec les faucheurs, c'est que l'on doit obtenir du symbole esprit à tour de bras. Elle se prend, ça y est, cette fois-ci, elle se prend ses deux premiers dégâts. Sauf si, en jetant un dé, elle annule complètement. Ouais, c'est ça, symbole bouclier. Cool! Ça fait deux fois pendant cette partie qu'elle ne prend rien. Alors là, ça, c'est classe. Donc toi, tu viens d'agir. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu te places de façon à ne pas être visible pour l'instant. Ben dans ce cas-là, mets-toi là, quitte à ne pas tirer. Lui sait qu'on va être obligé d'avancer. Donc il se laisse camoufler et il nous attend au tournant. Quel petit enfoiré celui-là. Le faucheur n'a pas provoqué d'étourdissement sur Alexandra, on est bien. Et là maintenant, je t'enlève. Sans oublier de virer d'une part sur Momentum les jetons Kids et de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, toi tu rejoins Akab. J'ai passé le cycle, oui, phase 1, rien, phase 2, Jukas, Alexandra. Alors, quand je prononce Alexandra, je pense soin. Oh purée, et soin sur Jukas en priorité là. Donc, elle consomme 2 points, 1, 2, elle jette 5 dés pour faire sa compétence premier soin et tâcher d'obtenir un symbole sans seulement. Allez, elle reconsomme 1, 2. Elle ne provoque pas de réaction. Elle retente un soin sur lui. Cette fois-ci, elle fait 2. Bon, c'est cool. Il retombe à 1 point de dégâts, son ami Jukas. Il lui reste un point. Elle ne peut pas l'utiliser parce que avec la pluie, bah, elle ira pas loin. Donc, reste là. Elle avait de la relance. Pardon, elle est là. Elle avait un jeton relance. Bon, non, non, non. Pour l'instant, on laisse comme ça. Et puis, on passe à Jukas. Jukas, déjà, tu vas faire en sorte d'agir normalement avec l'obtention de deux flèches. Oui, tu contres ton jeton Oblivion. C'est cool. En parlant de jetons, tu donnes un à personne, mais tu te récupères, toi, une relance sur ton casque du vide. Ton jeton activation avance de 2 à cause de l'étourdissement. Allez, ça c'est consommé. Maintenant, tu fais. Alors, tu fais quoi? 1, 2, 3, 4. Pour 5 points, il viendrait là comme un gros gros fou qu'il est. Est-ce que ça fait vraiment peur de faire comme ça? On va provoquer une réaction de tout le monde. Bah, de toute façon, même si je suis là. Ah, ou alors, je fais juste 1. Ce qui me fait consommer un de plus à cause de la pluie. Je rejoins sur le momentum, le jeton. Des faucheurs, faudrait pas que je bouge plus que ça. Mais après, il faut bien que je pense que eux vont jouer. Donc, si je suis en avant, ils vont m'en mettre plein la tronche. Quoique ceux-là appliquent leur plan de tirer plutôt de ce côté-là, et lui va me prendre pour cible. Mais au moins, c'est pas une réaction. Ouais, c'est ça le raisonnement, c'est que si je vais par là, avec leur distance de vue, là, je vais m'en prendre plein la tronche. C'est un coup à tomber. Je valide, c'est mon dernier mot, Jean Jukas.
je peux te ranger. Oh, que je me sens timide ce matin, tout frileux. Phase 3, phase 4, Andromeda. Andromeda, le problème, c'est que c'est un petit peu le même raisonnement, hein. Elle s'active, elle récupère, elle aussi un jeton relance, elle est à 3 max. Si elle fait 1, 2, 3, était là, elle ne ferait qu'un pour dépenser 2 points. Même 4 filles, ouais, je vais faire ça aussi. Tout vient à point, qui s'est tapé? Non, qui sait attendre, donc allez, encore un petit coup de frilette. Ouh, qu'il est frileux ce Friedrich ce matin, mais je préfère, parce qu'on a encore tout ça à traverser hein, quand même, hein. C'est parrain. Tu as joué Mistinguette, ouais, t'as fait ta concentration, t'avais pas d'autres règles particulières, bon. Ah ouais, alors c'est ça, c'est bien, dans un sens, parce que si on fait ça, plouch, plouch, on réactive tout le monde. Ceux qui ont la valeur la plus haute, c'est Akab et les faucheurs, mais ce sont les faucheurs en priorité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils reviennent en 12. Ils agissent. Alors, rebelote, attention, ils sont tireurs. Mais bon, finalement, on a vu que c'était pas une règle démentielle. Là, je vais vraiment faire en sorte de me pénaliser au max. C'est-à-dire que le Alexandra, la soigneuse, ils viennent bien de voir que c'était un élément important de notre groupe. Donc, ils vont nous en mettre plein la tronche. 1, 2, 3, 4. Ils restent à distance. 1, 2, 3. Ils restent à distance. Aucun d'entre nous ne les voit. Et tout ça pour dire quoi? Qu'il leur reste une attaque chacun à faire. Alexandra, je te prierai. Alors, ça lui fournit deux de plus son armure. Et c'est tout. Aïe, aïe, aïe. On va peut-être perdre notre médecin. Elle ne jette que 4 dés. Elle doit faire de l'esprit. Ah! Première attaque. Alors, elle n'a pas de relance, elle n'a rien pour la protéger. Première attaque, elle se prend un dégât. Deuxième attaque, et elle est étourdie, hein, bien sûr. Deuxième attaque, elle se reprend un dégât. Elle consomme la relance. Bon, elle se prend, donc elle est à 3 dégâts. 3 sur 5, et elle a consommé sa relance. Bon. Eux, c'est fait. Lui se met là pour bloquer le passage. Non, il n'a pas besoin, c'est un tireur. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit qu'Alexandra était toute zigouigouite. J'en ressors un, parce que si ça se trouve, le père Akab, ça va être même punition. Le père Jucas. Bah lui, il n'a pas à s'emmerder. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Sa distance est bonne, donc on y va. On y va, sauf que... Ah, sauf que... Tiens, j'ai pas vu ça tout à l'heure. J'ai pas pensé. C'est Jucas qui est immunisé à l'étourdissement. Cool. Donc on s'en fout. Allez, protège-toi avec tes 4 dés de défense pour obtenir de l'esprit. 1, 2, 3. Excellent. Il ne se prend rien. Bah, c'est parfait ça. Ça veut dire qu'eux n'ont pas réagi, mais agi. Nickel. Ce qui fait que sur le momentum, à que dalle, je touche à rien, on va passer à nos héros. Excellent. Et ce sera cette fois-ci Akab. À toi de faire. Bon, je vais vous faire, et je vais être très grossier, un gros putain de saras, de bordel de merde. Ça, c'est fait. J'ai oublié d'appuyer pour enregistrer. Parce que, oui, j'ai été obligé de m'arrêter, et ça me gonfle, mais d'une force. Faudrait que je le branche sur secteur et que je laisse tourner, en fait. Ah, ça m'agace. Bon, je m'en remettrai. Hein. Ça, c'est clair. Je vous dis ce qui s'est passé depuis. Ah, on a loupé quoi?
Alors, sans déconner, on a loupé que Jukka, ça fait deux fois qu'il tombe. Je sais pas si vous l'aviez vu ça. Alexandra l'a soigné une première fois. Elle a réussi à le remettre sur pied avant qu'il ne prenne une blessure grave. Ça lui a permis de nouveau agir pour aller éliminer un ennemi ici. Pourquoi ils étaient là d'ailleurs, nos ennemis? Parce que suite à des mouvements de troupes de notre part, ça a provoqué de la réaction. Ils ont réussi à s'éloigner et à nous tirer dessus. Je vous la refais telle que je crois que ça va revenir hein, dans mon esprit. Tactiquement, j'ai eu la présence d'esprit d'utiliser le déplacement gratuit coffre à câble sur Andromeda, ce qui lui a permis de se rapprocher là, au plus près des faucheurs. Et à l'instant, Andromeda vient de les éliminer, enfin vient d'éliminer le dernier là. Donc ça, c'est OK. Et lui, en fait, il a été malin parce que à chaque fois qu'il a agi ou réagi, il a reculé pour tirer, puis réavancer pour tirer. Enfin, ça a été un truc de cet acabit-là. Et j'en reviens sur le momentum. Alors, par contre, c'est cool parce que autant j'ai eu des jets foireux avec je sais plus qui, bah, Jukas pour se protéger tout à l'heure là. Mais autant avec Andromeda, là, j'ai fait un truc de fou entre les relances et l'attaque soutenue. Brrra. Ce qui fait qu'elle a éliminé sa dernière cible. En ligne de vue, en tout cas. Et sur le momentum, c'est bien, je suis sûr d'avoir toujours géré le nombre d'actions, le nombre de points à dépenser et le nombre de phases pour lesquelles avancer. En précisant que on est au cycle 8, phase 4. Ça s'arrête en 9-1 ou 9-2, je vérifierai, mais ça s'arrête quelque part par là. On n'a plus beaucoup de temps pour s'éloigner de la zone. Bon, en même temps, on est pas mal. Donc, ben voilà, hein. Désolé de cette interruption, mais, ça arrivera d'autres fois. Puis ça m'est déjà arrivé, le fait de couper l'enregistrement pour aller faire autre chose pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et bah quand on reprend, tiens, on oublie d'allumer. Bon, je vous en refais un. Bordel, ça me gonfle. Je ne reviens pas dessus. Tout ça pour dire que maintenant, c'est à Alexandra qui consomme deux points d'action. Un, deux. Pour se mettre à côté de son ami Jukas. Elle reconsomme deux. Ce qui ne provoque pas de réaction, ça a déjà été fait. Et elle le soigne. 3, 4, 5, en jetant 5 dés, elle a le droit à une relance. Il lui faut des symboles sang. Pour l'instant, elle n'en a qu'un seul. Elle relance. Elle a deux seuls. Dans mon raisonnement aussi, j'avais dit que c'était pas grave et c'était volontaire que j'emmène Jukas dans la flaque d'acide. Parce que sa priorité, c'était l'élimination à bonne distance du faucheur qui était là. Ce qui a pu se produire. Donc je savais pertinemment qu'il allait se reprendre du dégât dû à l'acide. Comme ça va se produire maintenant, parce que grâce aux soins, Alexandra, en consommant son jeton relance, bah, le remet sur pied, mais il est à 3 points de dégâts sur 5. Donc pas évident quand même. Il reste un point à Alexandra, elle ne peut pas le consommer. Ok, phase 5, il ne se passe rien. Phase 6, les ennemis d'abord, faucheurs, qui remontent en phase 12. Ils sont obligés de se défausser de leur jeton réaction. Il ne bougera pas. Maintenant, c'est bon pour nous, ça. C'est à Akab. Ah bah, Akab pour 2 points. Il fait déplacer Jukas. Bon, je pense qu'on peut de nouveau le sacrifier, Jukas. C'est pas bien de penser comme ça, mais tournez-vous tous par là, vous savez que le faucheur est quelque part par ici. Ah ben, Jukas vous le dit. 1, 2, 3, il le voit, il est là. Donc, Akkad, maintenant, tu fais 1, 2, ça te consomme 3. 1, 2, 3, ça veut dire qu'il te reste un point. Et ce dernier point, on pense à l'antenne peut-être. On a un truc à faire avec. Donc pour un point, c'est une action interagir, ouais. Et tous les héros acquièrent immédiatement un jeton relance. Eh ben, allez,
On y va, un jeton relance pour tous les héros. C'est top. Moi je dis c'est top, j'y ai pensé. Et donc il rattrape sur le momentum le jeton des faucheurs. Bon. Sans provoquer quoi que ce soit. Alors, maintenant. Andromeda Jucas. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Il vient ici, ce qui lui fait consommer 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui lui fait consommer 5 points. Mais là, je vais un petit peu trop vite parce que je suis pressé de sortir. Il lui faut 2 symboles flèches. Oh putain. Il n'a pas. Il relance un dé en consommant une relance. Oui, c'est bon. Il agit normalement. Donc maintenant, il utilise sa capacité. Alors, il était là. Ben non, ça sert à rien. Sa capacité à donner des jetons relance. Ça ne peut pas être appliqué. Il a fait son tour. Sa camarade Andromeda. 1, 2, 3, 4, 5. Arrive en phase 12 sur le momentum. 1, 2, 3. Et ne peut se déplacer que de 4. Ok. Pardon madame. Maintenant, on passe à Alexandra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Elle consomme 5, ce qui fait qu'elle dépasse et provoque la réaction du faucheur. Elle provoque la réaction. Ah ouais, elle provoque la réaction du faucheur. Bon, c'est pas grave, vas-y, tu te protèges avec 4 dés. Tu élimines un dégât, tu peux te permettre d'en prendre 2. Par contre, elle est étourdie. Elle n'est pas protégée contre l'étourdissement. Va falloir que je fasse une fausse victoire. Vous allez voir pourquoi. C'est sûr. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que quoi? Alors là, tchouk, 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 tchouk. On arrive en cycle 9. Ça veut dire que là, on va finir la partie. Un petit quart d'heure et c'est plié. On commence par les ennemis à valeur égale. Lui ne réagit pas. Le faucheur ne réagit pas, mais se déplace de 6, bien sûr. Plouch. Akab. Akab a en ligne de vue... Alors, il n'a pas Andromeda, il a Jucas. S'il fait se déplacer là, c'est con ce que j'ai fait. Je vous dis pourquoi c'est con, parce que si je m'en tiens strictement au scénario et au timing imposé, qui est un peu débile d'ailleurs, c'est un peu court, je pense. Hein. J'ai déjà vu passer ce genre de réflexion. C'est un peu mal calculé, vu les pénalités qu'on a, notamment avec la pluie battante, par exemple. C'est typique de ce terrain-là, de cette carte événement-là. On est tellement ralenti qu'au final, atteindre ça, c'est quasiment irréalisable. Je vois pas comment. Honnêtement, je vois pas comment. Alors, comment on fait? Bah, on fait qu'on va finir par gagner, mais j'aurais aimé une victoire un peu plus propre que ça, en me disant pourquoi on n'essaierait pas de l'éliminer. À partir du moment où on élimine tous nos ennemis, bah, c'est un boulevard. On peut s'autoriser une sortie avec brio, avec panache. Bon, c'est pas le cas. Je vais pas faire des rembobinages. Je dis que Jucas, je l'amène ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, il lui reste que 4 points. Oh là là. Si Alexandra, je la mets là. Ça fait pas grand chose. Bon, ce qu'on fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça l'amène ici. Il ne provoque pas de réaction. Il tire pas.
Après, je vous le fais 1, 2, 3, 4. Et puis, Jucas, 1, 2, 3, 4. Ça leur fait consommer 1, 2, 3, 4, 5. Ben, ils rattrapent Akab. Et tout ça pour dire quoi ? Ben, que t'as... Bon, là, je suis allé très très vite pour faire les déplacements. Vous l'avez vu. On arrive donc, oui, le cycle, je l'ai déjà changé, donc c'est bon. Et il nous reste Alexandra. Alors, sur le momentum, j'applique les règles, ça fait qu'elle se déplace, elle perd 2 sur le momentum, mais pas de point d'action. 1, 2, 3, 4. Et elle ne provoque pas de réaction. 1, 2, 3, 4, 5. Ah si, enfin, son jeton dépasse, oui, mais... Le faucheur ne l'a pas en ligne de vue. Ce qui fait que la partie est censée s'arrêter là, bah comme c'est indiqué dans le scénario l'évasion. C'est-à-dire que, alors, condition de victoire, au moins 2 des héros atteignent la zone verte, qui, on l'a vu, est à l'opposé. Ce qui n'est pas réalisable en l'état, mais je ne vais pas recommencer une troisième fois, ce serait complètement débile, et puis... Ça me gonflerait grave. Donc, allez, je fais en sorte que là, on en a 3 qui sont déjà très proches. Dans l'idée, le raisonnement, ça aurait été, comme je l'évoquais tout à l'heure, de dire, bah, plutôt que d'essayer de se barrer, c'est vrai que j'aurais pu calculer avant, mais je me serais aperçu que c'était irréalisable, mais j'aurais plutôt dû focaliser sur le faucheur, et puis... à acquérir une victoire en l'éliminant complètement, et puis voilà, se dire que haha, non mais alors, c'est qui les héros? C'est nous. Bon, ça fait toujours des fins un peu bâtardes hein, chez moi, mais c'est pas grave, ne m'en veuillez pas, je préfère le faire au fun et dans la logique pour pouvoir avancer dans la campagne. Donc, fin de cette nouvelle évasion qui aura été réalisée. Alors, le faucheur, dans un grand sourire, il nous montre ses pleines dents et il quitte la zone en se disant que de toute façon, vu les branquignoles à qui ils ont affaire, les primévis, ils auront forcément leur revanche à un moment ou à un autre. Je vais quand même faire une chose, c'est que plutôt que de bénéficier des 3 ressources en gain que ça devrait m'apporter, je vais en prendre que 2. Je peux pas m'en empêcher, ça. Hein. C'est peut-être parce que je suis de bonne humeur. Mais allez, je vais quand même me faire une petite pénalité sur le fait de ne pas avoir atteint cette foutue sortie. Comme ça, j'aurai l'esprit roleplay peut-être un peu plus tranquille. Ça me plaît bien de le faire comme ça. Bon. Je fais un petit bilan là sur le fait de ne pas avoir utilisé les dés rouges. Franchement, c'est top. Moi, ça me soulage. Je voulais de la fluidité. Bah, là, je commence à l'acquérir, donc c'est bien. Pareil pour avoir viré le périlium. C'est très bien. Les ennemis agissent, réagissent au mieux. Il faut être correct avec eux. Et puis le faire dans la logique pour les avantager. Donc ça, c'est impeccable. J'arrive à le faire. Les événements Legacy, youpi! Je ne reverrai plus la pluie battante, je vais pouvoir la virer de toute la campagne. Sauf si j'ai besoin de refaire un mélange parce que j'aurai tout épuisé. Après, pas de périlium, mais ça aussi c'est bien, pas de périlium, on s'en fout. Tous les héros sont à même de se faire cibler, toucher en fonction des aléas du placement des ennemis et puis de leurs compétences. Donc ça me plaît, et le fait aussi de ne faire réagir les ennemis qu'après avoir finalisé l'action en cours du héros, ça c'est nickel. Très très bien, parce que ça restructure un petit peu tout le processus dans ma tête, et je le dis et je le répète, mais en solo, il y a la vache, mais qu'est-ce qui a besoin d'être bien concentré? D'où l'intérêt de ne pas s'arrêter trop souvent. Monsieur Moriarty, et de rejouer le plus rapidement possible pour ne pas réoublier des choses. En parlant d'oubli, bah franchement, par rapport au datapad des uns des autres, là, c'est correct.
Je pense que maintenant, sans aller trop vite, je pense à peu près à tout. Non, non, c'est même un gros 90%. Pareil pour l'application des règles spéciales sur les ennemis. Bah, on va commencer à devenir bon, hein. Allez, évacuation. Le Little Genesis. Tiens, ça fait deux fois que j'oublie de le placer sur le décor. Le Little Genesis vient nous récupérer. Au moins, nous sommes quatre à ça. Là où je suis content, mais avec le regret que vous ne l'ayez pas vu, mais promis, juré, craché, j'ai pu soigner Jukas à temps avec Alexandra. Quand je dis à temps, c'est avant qu'il ne se prenne sa blessure grave. Ça, c'était excellent. Super. Bon, je suis fier de vous, mes quatre colons. Je vous dis, les amis, à très vite, j'espère, pour la continuité de cette campagne phase colonie. Salut, salut.